Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout somnolent? Non, ça va aller. Bah, allonge-toi. Je sais pas ce qui m'arrive. Bah, allonge-toi, je te dis. C'est pas de chance. Qu'est-ce que c'est? C'est la fournisseur, madame. Victor. Oh, idiot. Tout va bien? C'est une souche. Ah bon? Et en plus, il joue de la trompette. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es fou, non? Quoi, t'es fou? Donc tu permets, non? Tu crois que c'est le moment? Tu l'embouchures à la con, ça. Oh, ça n'a pas d'importance. L'importance. Voyons ça. Bon, il a environ 35 000 francs. Dis donc, il a gagné combien à son dernier coup? Un peu plus de 10 000. Bon, ben alors, moi, je lui laisse 21 000. Tant que ça? Ah, dis, tu permets, non? Ben, regarde donc s'il y a d'autres papiers, là. Carte de crédit, permis de conduire. Bon, là, les cartes de crédit, tu les laisses où elles sont et tu viens là. Tu permets, tu m'amènes le permis. Ah, oh, il y a une tronche là-dessus, regarde. Mais regarde la signature, ça peut aller, là. Facile. Bon, alors à toi de jouer. Plus ils ont des signatures cons, plus c'est facile. Tiens. Ah, ben tu vois, on n'a pas besoin de cutter, c'est formidable, ça. On a du pot, vraiment. Tu vois, 12 316,46. Formidable. Tiens. Mm-hmm. Ça va aller. Pas de problème. L'écriture. Il est en écriture de gosse de 10 ans. C'est un manuel. J'ai soif. Ben va boire. Je peux. À quel nom je fais le chèque? Bonne question. Mets-le sur Genève, importe en pot. Ça fait longtemps, combien de fois souffré? Ça ira comme ça? Ça paraît parfait. Allez, on remet tout un pec. Tiens, ça serait gentil de lui laisser un petit mot, non? Mais absolument, bravo, bravo. Tu veux que je te dicte? Si ça t'amuse. Comment tu l'appelles? Robert. Mon cher Robert. Non, attends. Tu étais censée être quoi? Sous-directrice du contentieux à l'UAP. Elisabeth Desroulèdes. Desroulèdes, t'as pas honte. Tu prends bien l'écriture de femme d'affaires, hein? Juste un peu sensuelle. Mon cher Robert, je suis désolé pour ce contretemps. Peut-être n'est-ce que partie remise. Reposez-vous bien. Elisabeth, tu rajoutes, je suis obligé de regagner Paris.